De retour sur World of Tanks sur le serveur test avec la 1.7.1 pour montrer le nouveau tier 10 qui débarque à double canon russe, le ST2. Donc vous avez remarqué, c'est purement un ST1, STI, je ne sais jamais trop, du tier 9 transformé en tier 10 avec deux canons. Naturellement, il va avoir des caractéristiques un peu différentes, heureusement, notamment la tourelle qui sera mieux renforcée à 3 sur le 250. Mais point de vue profilage, point de vue point faible, on est vraiment dans la même optique qu'un ST1 ici avec le point faible, le petit tourelleau que là qui est assez gros j'ai l'impression versus la version précédente. On va regarder dans ce même taille et le reste c'est assez identique. Donc c'est un char que vous connaissez bien sur le jeu qui a été un peu transformé pour passer en tier 10. J'ai une petite comparaison. Avant toute chose, sachez qu'hier, quand la vidéo que vous avez vue sur le IS-3-2, j'ai fait une grosse erreur de comparaison où j'ai laissé les chars les autres en stock. Donc, ce qui fait que les DPM sont un peu supérieurs quand même en étant full avec les autres et ça change les caractéristiques. Gardez ça à l'esprit, je me suis un peu planté. J'ai pas voulu recharger la vidéo parce que c'est sur le serveur test, comme tout peut changer au niveau des caractéristiques, je trouvais pas ça très intéressant. Là, c'est naturellement, il n'y a pas de stock, donc c'est une bonne comparaison. 258 de pénétration de base, 440, donc ça tape bien. On est à peu près au niveau de l'IS-3. 10 secondes 7, c'est sur ça que j'ai fait l'erreur de comparaison dans la vidéo d'hier. Là, vous voyez bien que les autres ont un DPM équivalent, peut-être même supérieur si vous mettez le fameux fouloir qu'on ne peut pas mettre sur les doubles canons. Je vous rappelle ça. Les caractéristiques de salve, donc 2,5 entre chaque obus, 3 secondes de pénalité, c'est un peu moins que le tiers 9. Donc ce qui fait, c'est peut-être un peu plus jouable. Encore est-il, moins 8 de dépression, ce que je vous ai signalé au niveau du tiers 9. Moi, j'aime bien cette dépression-là, qui est assez utile, toujours est-il avec ces deux blocs, ces deux canons, pardon. L'aiming time est intéressant, bon bref, vous voyez les caractéristiques. Donc le DPM est un peu moindre au final, c'est ça la grosse différence de par ma vidéo encore hier. Je m'excuse de cette comparaison rapide, mais bon voilà. Ensuite, le blindage, la caisse est identique au tier 9 ST1. Par contre, la tourelle à 300 et 250, donc ça passe vraiment à une bonne tourelle. Encore une fois, je n'ai pas le profil 3D pour voir s'il y a des points faibles qu'on ne connaît pas. On verra quand ça sortira sur le serveur standard. Au niveau du tout ce qui est mobilité, ils sont en ligne. En ligne avec l'IS-4, donc moins rapide que les autres. Je n'ai pas les valeurs aussi d'adhérence au terrain, donc c'est assez compliqué. Mais gardons de l'esprit que c'est pas très loin de l'IS-4. Sur le profil de l'armure, je reviens rapidement. Point faible ici. Toujours entre les deux canons, on ne sait jamais. Même s'il y a 300 de blindage là, ça risque de ne pas passer. J'attends le profil pour vous dire. Et voilà, je vais vous montrer une partie du tier 10. Là, je vais vous montrer une partie vraiment différente de la vidéo d'hier. Je vous laisse aller la regarder, la fameuse vidéo sur l'IS-3-2, pour la simple et bonne raison qu'hier, la vidéo que vous avez pu voir sortir se concentrait sur le fait que je pouvais facilement utiliser les doubles canons en même temps. Dans cette vidéo, vous allez voir que c'est plus compliqué. Et ce que je vais vous expliquer dans ce cadre-là, c'est que de temps en temps, on ne pourrait jamais utiliser cette capacité assez facilement versus ce que vous avez vu en gameplay d'hier. Regardez. Je me retrouve en ville avec ce ST2, donc sur Ensk. Normalement en ville, c'est vraiment la situation idéale pour les chars lourds. Avec ce double canon, vous allez voir que ça l'est moindre. La raison principale, c'est que vous avez un temps d'attente pour tirer avec les deux canons. Je vous ai déjà spécifié ça de multiples fois. Là, c'est 2,5 secondes. Et ces fameuses 2,5 secondes, c'est peut-être pas beaucoup, c'est juste énorme quand vous affrontez des lourds au corps à corps et que vous faites soit une technique de side scrapping, une down, bref, vous faites un échange de points de structure. J'ai une place qui est assez habituelle que j'aime bien. Si je peux être assez rapide pour prendre cette position, parce que vous avez souvent un tir gratuit. Voilà, hop, petit premier galet, je prends un tir, il me donne un tir. Et regardez, là je profite le fait de mon deuxième obus. Donc vous avez pu voir plus une différence. J'ai pas tiré deux obus à temps, j'ai vraiment profité du reload rapide entre chaque obus pour mettre mon deuxième tir, ce qui me fait déjà 900 points de dommage. Et mon ressenti par rapport au fait que j'ai joué le 732, j'ai peut-être plus souvent utilisé cette capacité de tirer deux obus comme un barillet que de la capacité spéciale de tirer les deux obus en même temps. Parce que tirer deux obus en même temps, vous devez être dans une configuration précise. Donc soit le fameux Uldon que j'ai montré avec l'IS-3-2, là c'est la situation idéale, mais ici en ville, à taper, se faire taper au niveau des lourds, bref, faire l'échange de points de structure, c'est très très compliqué de faire ça. J'utilise bien l'angle du char, hein, il est vraiment bon pour ça. De toute façon, le char tier 9 équivalent est vraiment intéressant.
Et regardez, on ne peut pas simplement attendre 2,5 secondes, alors que c'est le tiers 10. Pensez au tiers 9, au tiers 8 qui ont plus d'attente, ça peut être compliqué. Le temps de reload, de toute façon, il n'y a pas le malus quand vous tirez vos obus chacun autour comme un barillet. Donc c'est un mini barillet à mon sens. Et ce gameplay que vous allez voir là est plus en mini barillet qu'à tirer les deux obus. Par contre, et c'est ça aussi l'avantage des deux obus simultanés, quand la partie commence à se à passer, où déjà un tiers de tous les chars ont été détruits de chaque équipe, il y a plus de disponibilité, vous allez plus facilement flanquer ou profiter de vos deux obus. Là, j'aurais eu le temps peut-être de tirer mes deux obus. Je joue pas trop avec un FV4005, on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça m'embêterait de prendre une praline gratuite. Mais encore une fois, voilà, on vient au fait que j'ai du mal à utiliser mes deux obus. Voilà, ça se décante, 6 victimes et 4 victimes. Là, il y a peut-être plus de possibilités. Regardez, j'attends tranquillement que mes obus rechargent. Après, je suis gêné, ça c'est autre chose. Et maintenant, j'ai dans la tête, ok, on peut peut-être utiliser ces deux obus. Je suis à 1800 points de dommage, on a fait des échanges de points de structure, j'ai perdu la moitié de mes points de structure. Ça, c'est du lourd standard. Tu me tapes, je te tape, le premier qui craque, voilà quoi. Au fond, vous pouvez voir qu'il y a une artillerie qui s'est montrée, elle a l'impression de vouloir me viser, et là, je vais charger mes deux obus, parce qu'avec un coup, je ne peux pas la sortir. Ça, c'est l'avantage des deux canons. Vous pouvez avoir un bust de dégâts à un moment donné qui peuvent vous rajouter une importance dans le gameplay. Là, j'ai sorti l'artillerie. La bataille est loin encore d'être gagnée, même si on a une meilleure prise de contrôle. On a perdu la plaine. Au niveau de la ville, on est en train de les encercler. Malheureusement, je gâche un obus. Je vous ai pas montré, je vous le redis, 258 de pénétration en standard. On monte à 310 avec les munitions gold. Donc là on a 50 d'écart comme le tiers 9, mais en tiers 10 ça me choque moins d'avoir 50 d'écart personnellement. Les 258 font bien le refus, vous avez pu voir. On gagne de 3 chars, ça se passe tranquillement, le E3 de toute façon est foutu à ce niveau là, et voilà. Maintenant je reviens en fait, comment utiliser les deux obus? Bah là, moi je vois une opportunité d'utiliser mes deux canons en même temps. On va patienter, et il a déjà plus de points de structure. Et j'ai pas vu, mais ça me faisait plaisir. Donc je reviens en fait à ce que je stipulais à un moment donné dans d'autres vidéos, le fait de vouloir tirer avec les deux, bah, peut-être que votre adversaire va se faire défourailler par vos alliés et du coup il n'y a plus qu'un obus qui est rentable, c'est-à-dire peut-être arrêter le fait que vous êtes en train de vouloir tirer avec vos deux obus et passer en monocoup, ça peut être une solution. Je finis l'avant-dernier char, il reste le V4005 et l'autre partie. J'ai que 3000 points de dommage, mais ce que je voulais vous montrer pour faire une différence avec le gameplay d'hier, vous avez vu avec le IS-3-2, c'est que des fois on peut simplement pas utiliser les doubles canons. Je finis avec une victoire donc sur Hank, 3000 points de dommage, c'est pas super super, mais je voulais vraiment vous montrer le pourquoi du comment de ce replay. 4 victimes, je finis quand même premier avec 1048 d'XP, et là j'ai même pas de bénéfice, mais bon, ouais, j'ai pas eu trop de dommages. 14 tirs, que 9 pénétrations, bon, de toute façon sa pénétration est assez intéressante avec ses 254. J'ai voulu vous montrer vraiment la grosse différence entre hier. J'espère que vous avez apprécié de vous montrer ça. Comme ça, ça vous donne peut-être une idée. Est-ce que vous allez chercher cette ligne de char ou pas? Faites attention toujours à tout ce qui est nouveau. La majorité des gens ont tendance à dire que c'est très performant, overpower, OP, qu'importe la chose. Mais ce sont toujours des gameplays spécifiques, actuellement en tout cas dans World of Tanks. Et voilà, on voit souvent des bons joueurs sur YouTube montrer des choses autres que moi naturellement. Moi je suis moyen bon, comme je dis souvent, un unicom du dimanche, mais prêtez attention que ce n'est pas forcément représenté de votre propre gameplay. Ces chars, c'est intéressant, c'est amusant, est-ce que c'est OP, on verra au fur et à mesure comme tout nouveau char. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et on se voit une prochaine fois.